Et ben, du coup, ce stage m'a apporté plein de choses différentes. Je suis arrivé avec un projet professionnel, avec une idée de travailler sur les plantes à parfum. Et au final, toutes les visites qu'on a faites, l'expérience de Franck m'a fait mûrir dans mon projet et m'a fait voir que, il y avait autre chose que ces plantes à parfum et peut-être faire de la pépinière ou m'ouvrir des espaces. Et des réflexions plus précises et éclaircir sur tout mon projet. J'ai trouvé ça très bénéfique et très enrichissant d'un point de vue humain et d'un point de vue aussi permacole. C'est pas que cultiver de la terre ou des plantes, en fait, tout simplement. C'est aussi tout l'aspect qu'il y a autour, préparer son projet. Et voir toutes les choses qui sont liées. À l'humain en fait. Ça m'a apporté de la joie, ça m'a apporté un grand plaisir de m'être offert ce moment de connexion avec moi-même, de relation avec donc, des gens qui avaient une même sensibilité que moi sur certains domaines, même si on était tous bien sûr différents et chacun avec nos spécificités, mais il y avait quelque chose qui nous reliait. Et ça m'a enrichi énormément en termes de connaissances sur une multitude de domaines. Parce que c'est vrai que donc, la permaculture, c'est vraiment une approche globale. Et que Franck nous a partagé des milliers de connaissances, parce qu'il est très généreux en connaissances sur autant l'élevage, la greffe, que la communication non violente. Donc ça a été très diversifié. Et c'est ce dont j'avais besoin parce que voilà, je venais ni pour le jardinage, ni pour l'élevage, ni pour. Mais surtout sur une vision d'ensemble. Et je pense que ce qui a été magnifique, c'est l'aventure humaine qui s'est créée, qui a été forte. Le fait d'être en relation et des fois on a envie de solitude ou des petits mouvements comme ça. Et en fait, ça a coulé et ça s'est fait paisiblement, dans un grand respect. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup que ça se fasse dans la tranquillité, dans l'écoute. Voilà. En fait, je suis venu ici pour par rapport à ce qu'il faisait sur la phytosociologie des plantes. Phytosociologie. Des plantes, et c'est un concept que je connaissais pas et qui me parlait beaucoup. Et après, j'ai un petit peu vu ses conférences et j'étais un petit peu emballé par ce qu'il pouvait proposer. En fait, j'ai un projet avec mon frère et mon père dans le sud de la France, dans la région toulonnaise, donc dans le Var. Création de forêts comestibles. Je voulais aussi faire moi une formation diplômante pour avoir un PDC et aborder une vision différente du design avec l'analyse et l'approche de Franck. Une approche différente du design et expérimenter aussi la permaculture humaine, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et un petit peu avoir un point de vue différent sur les associations de plantes, sur les espèces à mettre en place dans une forêt. Cette partie design-là. Ah ouais, j'ai appris plein de trucs. Au départ, je pensais sur le design et cette approche du design de la zone 00, donc de ma zone à moi, ma raison d'être, qui, grâce à ce stage, en fait, j'ai appris plein de trucs sur ce que je voulais faire, ce que je voulais être. Du coup, ouais, vraiment, appris plein de trucs aussi sur les associations, des techniques de greffage. Sur comment faire une riche fruitière productive, où on a construit une butte en mode Philippe Forer, plein de trucs et cet aspect permaculture humaine aussi qui était génial de vivre dans un groupe de personnes bienveillantes, d'horizons un peu différents et ça c'était super chouette. Vraiment beaucoup aimé ce côté humain à travers la permaculture un petit peu toucher la bienveillance permaculturelle au sein d'un groupe. En pratique, de façon organique, de la vivre, en fait, cette bienveillance, ce rapport à l'autre, cette empathie, cette synergie de groupe qu'on a pu créer avec tous les stagiaires, c'était grave cool. Grave cool. Ah ouais, c'était cool. Non, bien, bien chouette et très bonne expérience.
ça recharge les batteries de Smile et c'est ça qu'on attendait. Enfin, c'est ça que j'attendais et que j'ai été comblé dans mes attentes, voire plus. En quelques mots. Bah, bienveillance, ça c'est peut-être bienveillance, joie, joie, fun, célébration et chouetterie. Et donc si on devait garder un seul mot, encore plus synthétique, un seul mot. Joie.